Alors là, je viens de finir de distribuer la paille. Et puis là, ils disent, papa, là, quand est-ce que tu amènes le foin? On veut du foin, on aime bien la paille, mais on veut aussi du foin. Alors, ils sont là, ils attendent. Alors là, ils ont bien grignoté de la paille. Là, je vais mettre le foin par-dessus. Là, ils vont manger tout le foin. Puis quand ils auront fini de manger le foin, eh ben, ils finiront la paille après. Ils mangent toujours en premier ce qu'ils préfèrent. Voilà, ah, il fait 3 degrés ou 4 degrés, je ne sais pas combien exactement. Puis on est vers le 10 décembre par là. Donc voilà, la neige a fondu. Donc là j'ai commencé à les nourrir avec la paille au mois de décembre. Et normalement je devrais arriver tranquille jusqu'à la mi-mai en donnant une balle par jour. La paille est importante parce que les ânes ont un grand besoin de fibres et ils peuvent en grignoter un peu toute la journée. Sans grossir, sans, je dirais, souffrir des maux de la suralimentation, donc sans fourbure, sans les maladies associées chez les ânes à une alimentation trop riche. Et ça leur évite d'aller grignoter les poteaux, d'aller grignoter les mangeoires,